Allô, bonsoir. Merci pour votre patience. Je ne sais pas où me tenir parce que l'artiste va être derrière nous, Simon Mello. Mais bonsoir. Alors, l'événement, c'est 233 Walker, South Walker Drive, Chicago, Illinois. Ça va être une projection, puis une présentation de Simon Bello, puis c'est organisé dans le cadre de Sightings 36 dans l'édifice Hall, de l'autre côté de la rue. Si vous ne l'avez pas encore vu, profitez-en. Il reste encore 2 mois, ou un peu moins, jusqu'au 15 janvier. Et mon nom est Julia Eiler-Smith. Je connais presque tout le monde. Et je suis la conservatrice de recherche Max Stern ici, à la galerie. Puis avant de commencer, j'aimerais reconnaître que l'événement se déroule sur les territoires autochtones non cédés de la nation Gagné-Gahaga. Et aujourd'hui, il y a une population autochtone diversifiée et d'autres peuples qui résident sur les terres et près des eaux de Geauga et Montréal. Nous reconnaissons et respectons les relations qui lient les peuples autochtones et les nombreuses communautés montréalaises. Donc, l'événement de ce soir va être une exploration de Simon dans ses archives d'un projet de film non réalisé, entamé en novembre 2014, donc il y a exactement 8 ans, par hasard. Ça s'avère être en novembre également que ça avait été débuté. Ce film inachevé est au cœur de son projet, sans titre Galerie Léonard et Binaëlen, présenté dans le Cube. Donc, ce soir, il va revisiter les séquences qu'il a filmées et les séquences sonores également, de même que la documentation photographique qui en découle. Bello va chercher à remontrer les éléments du projet en commentant en voix off le matériel non édité d'origine. L'intitulant Sea Fever, qui a pour but d'examiner la quête de l'horizon ou de la vue panoramique et l'impact sur nos mécanismes perceptifs et sur l'expérience psychique. Le cycle s'intéresse également à la façon dont ce désir pour la vue totale est marqué par un idéal d'emprise sur le réel ou une certaine notion de domination. Alors, Simon Bello est un artiste et un cinéaste basé à Montréal. Il a obtenu une maîtrise en 2015 de la School of the Art Institute of Chicago, où il a été récipiendaire du prix Jacques et Natacha Gehlman Fellowship. Bello a participé à des multiples expositions au Canada, aux États-Unis et en Europe, notamment au Musée d'art contemporain de Montréal, à la Fondation Antonio Ratti en Italie et au Sculpture Center à New York. De 2019 à 2021, il était artiste en résidence et enseignant invité dans le département de sculpture de l'Université Concordia. Et il est depuis 2019 l'un des artistes en résidence dans le programme des ateliers montréalais de la Fonderie Darling. Simon Bello a été sélectionné pour la résidence de 6 mois du Calque au Studio du Québec à Rome en 2023. Donc, je passe le micro à Simon et bon événement. Juste pour rectifier, vous m'entendez bien? I guess, ouais. Juste pour rectifier un petit peu, c'est un screening et une présentation, mais en même temps, pas une après l'autre. Petit détail. OK, let's do that. Okay. J'aimerais simplement mentionner d'entrée de jeu, avant de commencer à fouiller le passé, que je regarde la plupart des images ce soir pour la première fois comme vous. Il n'est pas particulièrement important de savoir lesquelles ont déjà été vues et lesquelles pas. Il faut juste se souvenir qu'aucune de ces images ont été bien vues jusqu'à maintenant. Sachez aussi que tout le matériel présenté ce soir dort depuis 8 ans et qu'il a été réveillé dernièrement quand on m'a invité pour Sighting, justement, à penser à un projet totalement différent, mais qui partage étrangement la même ossature. Note sur une idée de film qui serait tournée au dernier étage de la Willis Tower lors d'un épisode de brouillard extrême. Le 22 novembre 2014,
Je me suis rendu au 233 South Wacker Drive à Chicago pour filmer mon projet de maîtrise au 108e étage de la Willis Tower durant un épisode de brouillard extrême. 22 novembre 2014, il y a exactement 8 ans, jour pour jour. Quelques semaines auparavant, vers la fin du mois d'octobre, j'avais été complètement flabbergast quand je me suis retrouvé devant un simple phénomène météorologique qui n'a rien de particulièrement unique. En marchant vers le Art Institute, une bonne partie de la Willis Tower était complètement engloutie par le brouillard. À cette époque, la Willis Tower, ancienne en Amérique du Nord, la tour du World Trade Center à New York, du One World Trade Center à New York, était encore en chantier. Le projet a commencé là, à la rencontre de ce simple phénomène. Et par conséquent, par un désir de renverser les rôles, c'est-à-dire de passer de celui qui ne peut pas voir à celui qui ne peut pas être vu. Extrait de texte. À la fin de l'automne à Chicago, il est facile de prédire les jours où on ne pourra pas apercevoir le sommet des gratte-ciels et où le brouillard couvrira l'horizon. La chaleur du lac Michigan se libère dans l'air durant la nuit et se condense au contact de l'air froid ambiant. J'ai rapidement compris que ce renversement des rôles ne fonctionnait pas dans ce contexte-ci. Parce que celui qui ne peut être vu est également celui qui ne voit pas. Mais dans ce seuil complexe entre voir et être vu, il y avait également cette relation de pouvoir que ceux qui ont la possibilité de tout voir exercent sur les autres qui ne l'ont pas. Email datant du 18 novembre 2014 à 10h51 AM. Hello. I would love to speak to someone about the possibility of shooting video on the 99th floor of the Willis Tower. The video is for an artist project. Focus on the broad vista visible through the tower's windows. Here are the details. The video is for fine art purpose only and will not be used for commercial advertising. No actors, crew, or large gear will be employed. The video requires no special setup or accommodation outside of letting the artists into the 99th floor area. It is, in fact, preferred that the space be as empty as possible. Willis Tower will not be presented in any inappropriate or negative manner. The video is a documentation of the view from the windows, that's it. The time needed to shoot the video is 1 hour or less in the early morning, around 7 a.m. will be ideal. The artist is Simon Bello, an internationally recognized exhibited artist currently engaged in master's study at the School of the Art Institute of Chicago. I am faculty in the Department of Photography at SAIC, and I am assisting in the production details of the project. We are particularly interested in shooting the early morning of Saturday, November 22, due to the weather condition currently forecast is possibility. Please contact me via email at money@saic.ca or on my cell phone at 561-721-5040. I am happy to provide any further information you might need. Thanks very much for your consideration of this request. All the best, Kate O'Neill, Department of Photography, the School of the Art Institute. To which we got a reply saying yes. Also, payment will need to be in advance of filming. Thanks. J'ai effectué ma première visite le 22 novembre 2014 à 9h30 AM. J'ai tourné seul avec une seule caméra, un trépied. Le premier fichier vidéo est daté du 22 novembre à 9h52.
AM. Extrait de texte. J'ai laissé ma caméra fuir et errer le long des quatre parois vitrées du dernier étage de la Willis Tower, engloutie dans l'épais mur de brouillard. Il est parfois curieux de remarquer toute la banalité des intérieurs une fois que les visiteurs nous sont retirés. La couleur terne de la moquette, l'assortiment du mobilier en cuir et des plantes artificielles, puis la réalisation soudaine que tout ici est articulé en fonction du désir de ceux qui visitent à regarder au loin et qu'une fois cette possibilité écartée, il ne reste plus rien qu'une banale standardisation de l'environnement, comme un décor de cinéma construit pour n'être vu et filmé que d'un seul côté. Le dernier fichier vidéo filmé ce jour-là est daté du 22 novembre à 10h52 AM, exactement une heure après le premier. Note sur le langage, son apparition et sa disparition. Je ne le savais pas de facto au moment de filmer et peut-être je le comprends aujourd'hui seulement, mais ce huis clos, ce cube vitré, était probablement davantage une métaphore de mon propre corps à l'époque plus qu'autre chose. À l'époque, j'étais terrorisé par le langage, par la parole, l'écho d'un malaise de jeunesse peut-être, provenant de problèmes de bégayement et des services d'orthophonie à n'en plus finir pour aider à réparer mes S et mes CH. Mais c'était plus, certainement. À mon dernier semestre au Art Institute, j'ai eu un ras-le-bol de parler. Les gens parlaient tout le temps. Il fallait toujours parler sans arrêt. Et quoique je regrette parfois un peu de m'être enfermé dans des silences, je peux tout à fait voir aujourd'hui pourquoi une boîte vitrée perchée dans les nuages au plus haut point du continent a attiré mon attention. Un appel au silence. J'ai commencé à travailler avec les télésouffleurs en décembre 2019, 5 ans après la première visite au Willis Tower. Les prompteurs sont des systèmes d'amplification de la voix, des prothèses qui permettent à un corps de s'adresser à une masse. Peut-être pas si étrange que cet outil ait servi à me sortir d'un marasme au moment où ma pratique m'échappait, où ma voix tremblait et que les mots manquaient. Ventriloquie. Définition. The production of the voice in such a way that the sound seems to come from a source other than the vocal organs of the speaker. Étymologie. 1580s, from Latin vente, belly, ventre, et loqui, to speak. Pattern on the Greek angastri mitos, literally meaning speaking in the belly. Note sur la deuxième visite au dernier étage de la Willis Tower avec la voix d'Elena Hells. J'ai effectué ma deuxième visite le 19 janvier 2015 à 2h p.m. J'ai filmé avec mon amie Elena Hells pour avoir deux caméras lors du tournage. Amie avec qui, étrangement, 3 ans plus tard, je développe un projet au Sculpture Center à New York autour justement de ces corps silencieux poussant contre leur environnement. Against their surrounding. Le brouillard ce jour-là était beaucoup moins opaque que la première fois. Le premier fichier vidéo filmé ce jour-là est daté du 19 janvier à 2h12. Didn't get this to you earlier. I've had a sort of sore throat and was hoping it would clear up and go away, and then I would have
more ease in my voice. You and I went to, or I went with you to help you shoot photos and video on the, 102nd, 103rd, 105th. Second floor of the Sears Tower, and you had gotten Kate to email them as your assistant, like a sort of professional hack, and you were very deep in this project. That was very romantic and beautiful and also very different than the way all of our colleagues or cohort was thinking, sort of in graduate school at that time. And you and I hadn't known each other for very long, just maybe a couple months actually, and I was pretty confident that we were going to know each other for a really long time, like that we would be important to each other for the rest of our lives. But I don't know that you quite had that figured out yet. Maybe you did. I should give the 25-year-old you more credit, or 7 or however old. You asked me to come help. And equipment and assist, and I said yes. And so we carried tripods and two cameras, and stepped off this elevator into a space that was a large corporate space initially, or just sort of these like a space that is a line between public and private space, and that. You know, it's absolutely a private building, but the carpet and the curtains and the architecture is all designed to hold a lot of human beings, and the floor is completely empty. Like, there's nothing in the room at all, and the room, from what I remember, sort of was like a big wide hallway that went all the way around the edge of the building, like along the glass windows, around like a core inside the building where like elevator shafts and maybe other offices were not open to us. And an L that became like a large O if you kept walking around the corners. But of course, none of that mattered, because all that really mattered was that you were standing above the city. Like so there's these large glass windows, floor to ceiling window, that was the outside wall of this big hallway that had, you know, sort of unimaginative carpet and and when we were there, the window was just cloud. We were standing inside of a cloud. We were in the weather. And so the window was like a giant softbox, like a giant filtration over all of the world's light. And I remember that vision was your sort of makeup information. My brain or my eyeball would sort of make up information because it was trying to understand like the depth of the cloud, and or like that sort of gray, perfect gray. And I couldn't find anything to latch on to in terms of like interpretation or meaning making in the cloud. And a bird flew by, like a seagull flew by, and it
it just like rocked my world, like the way that its flight put us in space and its body outside the glass was so free and riding like a thermal, like riding air that is not surface air but is middle of the sky air. And it was right outside the window, you know, just a few feet away from us. And it also gave me somewhere for my vision to land. And it was unbelievably beautiful. And it was a time when there was not a lot of clarity for me in any way, shape, or form, like in my own life, or in my own artistic practice, or in how I wanted to be, or kind of who I wanted to be with. And this bird came out of the mists and came out of the cloud and had so much clarity, like both perceptive, like in my own perception, and then also just in its own being, like just birdness on the air. And it was and the way it held a position and sort of was surprised to see us momentarily and then just had other things to do and disappeared back into the cloud. And I was definitely moved, and I cried, and I thought I understood something about what you were trying to say to the world in this piece and in this work, that at that moment, right, about sort of like the developing image, or like it really did remind me of in Developer. And I also, I felt like what was happening there in terms of our experience, but also maybe what you were trying to do in work in that project, like didn't have a lot of language. Like it was this other sort of meaning made through image and bodies and sounds, but not necessarily rooted directly in language. And now I don't know that that's necessarily true, but yeah, I don't know. That is really mostly what I remember from that moment. I also remember a great feeling of loss. Like that was something that maybe was just following me around anyway in that time, but like the experience of being so high in above the world and above away from kind of all of the worries and the requirements. I think all of that myself experiencing years moment. All right. Là est daté du 19 janvier à 3h p.m. Extrait. Le montage final de mon projet de maîtrise n'a jamais vraiment vu le jour. Aucun scénario n'avait été écrit. Le film était peut-être un échec avant même d'être tourné. Ma seule intention à l'époque était de me rendre au plus haut sommet du continent afin de braquer ma caméra sur ce qui n'est pas possible de voir. Bien que j'y sois parvenu, il n'y a jamais eu de film. Dans l'ascenseur qui me ramenait au premier étage, je me souviens m'être dit que cette expérience serait plus intéressante si elle était peut-être racontée par une voix plutôt que filmée. Note d'un ami cher à propos du prompteur et plus spécifiquement du film « Les spectateurs » présenté au Musée d'art contemporain en 2021. D'abord, je dois dire qu'il est très troublant de voir ce dispositif pivoter autour d'un axe.
J'imagine que le film sera projeté à l'échelle du vis-à-vis avec le miroir, de sorte que le spectateur puisse alternativement s'associer au point de vue de la caméra et se placer dans le lieu supposé de la lecture du texte. L'intervalle qui vient espacer cette lecture nous met dans un état d'hypervigilance à l'égard de ce qui viendra. Et en même temps, la caméra devient anthropomorphisée par ce discours fragmenté. La dimension allégorique de ce mouvement, de ce pivotement, est très forte. On se trouve... Il y a là aussi quelque chose de la boucle qui était présente dans ta vidéo avec le chointement. La trame sonore crée un autre type de hors-champ cette fois. Je vais revoir la vidéo sur l'écran de mon ordinateur pour m'attarder au texte qui défile, comme l'écran de cette tablette est très petit. J'en ai loupé une partie. En tout cas, avec ce que j'ai pu en saisir, ce texte crée la fiction d'un sujet impossible qui serait là à notre place. Je ne sais pas comment on parle d'idéologie aujourd'hui, mais il y a une réflexion sur ce qu'elle constitue peut-être, sa matière dont on travaille sans liquider le poétique. C'est en fait de la sculpture avec toute la complexité formelle que l'on peut associer à ce médium. Tourner, faire tourner, tourner autour. Cela reste le mouvement qui la distingue, la sculpture de la dispersion. En septembre dernier, je terminais le texte qui accompagne l'exposition dans le Cube Sighting. 977 mots en français qui ne parlent pas directement du projet présenté. Aujourd'hui, j'ai pris peut-être une trentaine de minutes, peut-être, de votre temps pour 100 parler directement du projet qui est présenté à Sighting. Mais vous aurez peut-être deviné qu'à travers tout ça, j'ai un amour, mon amour à regarder les choses par ricochet, c'est-à-dire davantage par les traces que les choses laissent derrière que par ce qu'elles sont au moment où elles existent. J'existe peut-être à rebours. Et sans avoir l'idée même de terminer un film inachevé, je crois pouvoir dire qu'un chapitre se clôt, peut-être, avec le prêt, peut-être, une sorte de générique de fin. Je continue à croire que dans les films, la voix est un très beau compromis devant l'impossibilité de voir. Pas vous, mais moi, j'ai l'impression d'avoir besoin de quelques minutes de transition, mais on avait pensé faire une période de conversation, questions. Est-ce que quelqu'un aimerait commencer avec une question? Tout. Moi, j'ai été un peu, je suis un peu comme chavirée par toutes les pistes qui ont été soulevées. En fait, une des questions qui m'est revenue pendant que je regardais
la présentation puis la projection, c'est qu'est-ce que, en fait, tu pointes un peu vers ça à nombreuses reprises, mais qu'est-ce qui était le projet initial? Quel était, est-ce que c'était, puis dans quel cadre? Est-ce que c'était dans le cadre de tes études, d'un cours? Puis pourquoi, en descendant les ascenseurs, il y avait ce sentiment de ce projet ne va pas avoir lieu? Donc, ça nous donner un peu le derrière les coulisses. En fait, ce que je me suis rendu compte avec du recul, c'est que j'étais peut-être pas tant intéressé par filmer l'intérieur du phénomène. Puis que mon premier étonnement et ma première surprise, qui était l'expression de la tour camouflée, etc., peut-être était suffisante dans ma cosmologie. C'est sûr que, bon, à un moment donné, tu te poses une question par rapport à un phénomène, tu vas l'explorer, tu vas à l'intérieur, mais je ne sais pas à quel point il y a même eu une idée de film à aucun moment. Je me rappelle une critique, une midterm critique, donc genre une critique qu'on avait eue en grad school, une ou deux semaines après avoir filmé ça, puis j'avais montré juste à peu près ça, là, du raw footage, puis tout. T'sais. Puis mes professeurs étant fabuleux, ils m'avaient juste demandé what you gonna put in the box, right? What is it, right? Because au final, c'est comme si j'avais fait écho à ma fascination quand je me tenais à l'extérieur et que je l'avais doublé seulement de ma présence à l'intérieur. Puis qu'il n'y avait pas de différenciation entre ce que j'avais vu de l'extérieur et de ce que je voyais de l'intérieur. Donc, moi, je ne sais pas si ça répond un petit peu plus à la question, peut-être pas, mais... Quand je parle du phénomène, c'est ça. C'est l'apparition, right? La phénoménologie de l'objet qui disparaît. L'association entre brouillard, tour la plus haute, perte de langage, mutisme, etc. Toutes ces choses-là qui s'accumulent ensemble. Les données, quand je suis monté au 108e étage, ça allait donner un film où, mais j'étais pas mal sûr que j'allais être confronté à une non-vision, en fait, à un effet domino, c'est-à-dire que quand tu regardes à l'extérieur, toute la surprise vient tomber et s'effondrer vers l'intérieur. Ça paraissait trop. Mais c'est plus comme un commentaire qu'une question. On dirait que c'est comme l'objet du désir qui était d'arriver à ce dernier, étage. Tu l'as assouvi, tu as acquis ce désir étendu, acquis. Mais que le désir après ça s'est transformé, c'est relocalisé dans le langage. D'où maintenant, je veux dire, comme tu présentes clairement tout ça avec beaucoup de langage pour peut-être justement exprimer la distance qui perdure malgré l'atteinte de l'objet du désir. T'sais. Puis, je pense pas qu'en ce sens-là, au début, tu avais envisagé que le vidéo allait être présenté avec du langage. Est-ce que je me trompe? Ben, du langage, je veux dire, c'est fucking broad, mais avec des mots, des voix. Non, c'est ça. Définitivement pas, parce que c'est devenu pour les 6 mois qui ont suivi, juste justement, c'est devenu un problème de langage. C'est devenu le
espèce de d'écho de what you're gonna put in the box et qu'est-ce que tu vas mettre dans la boîte, qu'est-ce que tu vas mettre dans la boîte est devenu comme lourde finalement. Je pense comme je dis quand je, comme je l'ai dit ce soir, tu sais, finalement j'allais me positionner dans un lieu dans un lieu architectural là, dans un lieu où de facto on est supposé avoir accès à tout. Puis je sais pas, il y avait quelque chose, une espèce de métaphore de ma propre existence à cette époque-là qui faisait vraiment, je sais pas, écho à ce moment-là. Ouais. Ben, il y a comme une thématique qui... La thématique ou la notion de ce qui fuit, que je sais qu'on a parlé, puis je sais que c'est quelque chose qui est au cœur de ta pratique. Donc, c'est le regard qui fuit, même le projet étant présenté dans le hall, les gens, les passants qui ont autre chose à faire, la distraction, le fait d'avoir des points de fuite, des échappatoires. Puis moi, une des choses qui, enfin voyant les séquences que tu as filmées, c'est que toute cette transparence-là qui était attendue, puis qui est attendu dans des gratte-ciels de ce type-là et est complètement absente. Puis il y a un effet de rabattement, puis d'intériorité, d'introspection. Puis en tout cas, je trouve ça super intéressant que... Ben, en fait, je me demande si c'est un peu ce sentiment-là aussi qui a mené à ta décision de, dans ta quête de ce regard fuyant, de ce point de fuite, de différents échappatoires, le fait d'être ramené à toi-même, à ton intériorité, et ça va un peu à l'encontre de peut-être le désir, en tout cas. C'est une interprétation rapide que je fais ou que je suis en train de développer en parlant, mais j'ai peut-être une réaction à ça. Ben, écoute, je peux parler. Vous avez une question, sinon? Oui. Merci, Simon, pour ta présentation. J'arrête pas de penser pendant que vous parlez. On dirait qu'on va dans ce building-là pour voir l'invisibilité de voir ou avoir une image qui se développe. Puis on dirait qu'une fois qu'on se rend à l'étage pour voir ça, c'est comme si on est plus intéressé de pas qu'est-ce qui se passe dans la boîte, mais qu'est-ce qui se passe autour de la boîte. Je trouve que c'est plutôt apparent aussi, même avec le document de l'expo qui est de l'autre côté de la rue. On va le voir dans une seconde, on passe à travers une plante. T'sais. On dirait que c'est comme tout ce qui vient entre nous. C'est comme, ah, je me demande qu'est-ce qu'on va voir de la boîte. Puis après... C'est bizarre, toutes les choses qui viennent entre nous, qui tout à coup nous empêchent de voir, qui n'est pas nécessairement le brouillard. T'sais, dans les shots du building, j'étais étonné qu'il n'y en ait aucune qui essaie de voir ce qu'on ne peut pas voir. Puis quand je regarde les documents, c'est comme si je me dis, « Ah, on dirait qu'on n'essaye pas vraiment d'aller voir. » On est toujours fasciné par, « Oh mon Dieu, regarde, il y a du tapis de même. » Puis comme, « Wow, il y a des bancs. » Puis c'est vrai qu'on ne voit rien, mais ça passe. C'est peut-être plus un commentaire qu'une question. Tu vois, ça, c'est une des. C'est pas la seule shot où j'ai collé l'appareil à la vitre, en fait, au Sears Tower, pour regarder en bas. T'sais. Mais j'aime beaucoup ce que tu. Celle du bas, oui. Puis j'aime beaucoup. Tu sais, finalement, là, quand j'aurais pu y aller, quatre fois, cinq fois au sommet de la tour pendant des épisodes. Si j'avais pas. Il y avait une limite à ma fascination. Ouais, c'est ça. Il y avait vraiment une limite à ma fascination. C'est-à-dire que quand tu négates une vista, quand tu négates ça, à un moment donné, il faut que tu te retournes quelque part. Puis comme tu dis, ben, la moquette, l'intérieur, moche, etc., comme de sensations à avoir avec ça. Puis ben, c'est là qu'il aurait fallu, peut-être, que je décide de... Je sais pas, développer un scénario, avoir des acteurs, un événement, whatever. Tu sais. Mais bon, ça s'est jamais rendu là. Donc, c'est pour ça que le film, pour
pour moi est un échec dès le début parce que finalement, je suis juste allé essayer de témoigner visuellement de cette obsession, de cette fascination-là que j'avais. Tu sais. À Sighting, ce qui est le fun, c'est que, comme tu dis, c'est davantage peut-être ce qui est autour de la boîte que ce qui est à l'intérieur. Tu sais. Parce que de toute façon, quand tu regardes à l'intérieur de la boîte, j'allais mettre là, quand tu regardes à l'intérieur de la boîte, ça te ramène à toi, right? parce que est l'outil, là, parce que comme qu'est-ce que l'outil, ben c'est un outil de lecture, donc quand tu le regardes, il te filme en même temps, il te regarde, tu dois le lire, etc. Donc c'est, t'as beau faire le tour, le regarder, pointer ton regard vers le centre du cube, c'est quand même quelque chose qui te ricochait ou qui te fait écho. Donc, le vrai centre d'attention, si tu veux, ou le vrai point focal, c'est peut-être pas le centre du cube, c'est toi autour qui tourne, qui a besoin de cette rotation pour lire tout le texte. Je voulais aussi te demander les effets que tu as cherché à produire en filmant à Chicago, les effets de caméra, les mouvements de caméra, parce qu'à chaque fois, je m'attendais à une rotation complète, puis c'est ça, il y a juste un travelling partiel, puis également, par exemple, il y a des moments où il y a des mouvements brusques, puis la terre était un peu vertigineux, là, puis je me demandais, ça me semblait intentionnel, surtout dans les séquences filmées la première fois. C'est comme s'il y avait, je me demandais si tu avais eu cette intention-là derrière, initialement, de reproduire un peu l'effet de, tu sais, la perte de repère, puis l'effet de vertige. Mais la deuxième fois, c'est ça, c'est plus beaucoup de travelling latéraux, mais pas complet, donc pas reproduisant l'idée du 360, du panorama que le building offre. Non, c'est ça. Techniquement, je suis passé par toutes les galères. Donc, c'est-à-dire que je pense à l'époque, de toute façon, je ne savais pas comment filmer. Donc les mouvements brusques ou certains trucs étaient juste comme des erreurs la première fois. Mais c'est vrai que la deuxième fois, j'ai tenté d'imiter ma propre incapacité technique. En fait. Puis, en fait, ce que j'ai cherché un petit peu à faire, ben, j'ai échoué naturellement, mais c'était d'avoir une espèce de sensation de flottaison avec la caméra, qui ne marche pas du tout, là, mais c'est ce que je voulais. Ou, je ne sais pas si vous avez déjà vu des walkthroughs, des tours de maisons vides pour les ventes de real estate, là, où ils font juste se promener dans la maison, etc. Puis j'avais un peu l'intention de vouloir faire ça. Mais au final, je me suis retrouvé devant une pièce où il n'y avait rien à filmer. Tu sais, au final, je pense que c'est ça, il n'y avait rien à filmer. Puis pas de 360 parce que au centre de la Willis Tower, il y a quand même un gros, tous les ascenseurs, etc. Donc tu ne peux jamais voir 360, en fait. C'est ça qui est intéressant. C'est que tu peux juste voir j'imagine on pourrait dire un 180, là. Tu tiens dans un coin du cube, tu peux juste voir deux grands corridors, puis les vitres qui sont, donc seulement la moitié du cube. Donc tu n'as jamais une vision de périphérie totale. Donc on est loin de la tour de surveillance, etc., mais ça reste quand même le plus haut point, là, à l'époque. Salut. Moi, je connais pas vraiment ta pratique. C'est comme la première fois que je la rencontre, mais je me rends compte que, je sais pas, le point de vue est tout le temps important dans tes trucs. Ben, en tout cas, de ce que j'ai vu à date. Là. Puis, pour moi, un des trucs importants que tu as dit, c'était quand tu as le email, en fait, qui est pour demander accès à un point de vue. Puis, je me demandais, en fait, si tu pourrais comme développer un peu là-dessus, tu sais, qu'est-ce que ça fait? Tu sais, j'ai l'impression que c'est juste une documentation d'un accès à un point de vue. Puis, tu sais,
pour toi, c'est quoi un point de vue dont on n'a pas accès ou un point de vue qu'on a accès? Juste peut-être développer là-dessus. Ben, Jesus Christ. Moi, je trouvais en tout cas que ce choix-là de narrer dans ta présentation, c'est quoi qui était, c'était quoi les, qu'est-ce que Dieu a fait pour avoir accès à ce Dieu-là? Dévoile d'une certaine manière qui peut avoir accès. T'sais, il a fallu qu'il fasse une fausse. C'est quoi, c'était une fausse compagnie de production ou whatever, genre que tu dises que comme Elena, c'était genre ton assistante ou whatever. Il a fallu comme porter des masques d'une certaine manière. Il a fallu demander à comme la directrice de maîtrise, j'imagine, à professeur de maîtrise, à comme envoyer un email. Fait que ça dévoile un peu l'imperméabilité du lieu qui a réussi à être perméable par le port d'un certain masque. Mais aussi, c'est reflété, j'imagine, dans le choix de filmer c'est quoi cet intérieur-là, parce que cet intérieur-là est clairement pensé pour accueillir quelqu'un. Tu fais pas d'intérieur puis tu penses que personne ne va jamais aller. Fait que tous ces choix d'esthétique de l'intérieur, la moquette, les bancs, tout ça, ces lieux-là, puis pourquoi qu'ils y vont, t'sais, comme la neutralité de ce lieu-là, ben, ou la fausse neutralité, c'est comme, c'est quoi, c'est des trucs de Miss Van Der Rohe, là, ou genre ish, tu sais. Fait que je trouve que ces deux components-là, le choix de narrer comment avoir accès à ce lieu, puis le choix de montrer à quoi le lieu ressemble, nous donne comme une bonne idée de ce lieu-là réservé à qui. T'sais. Ouais, absolument. C'est quoi, c'est 2014? C'est dans un monde post 11 septembre, dans un moment où l'accès au lieu est beaucoup plus difficile. C'est pas pour rien que j'ai essayé. Premièrement, c'est locatif, il faut le dire. Là, mais bon, ça coûte de l'argent, accéder à ça. C'est pas le. Ben, quoi que, peu importe si tu vas à l'étage touristique, là, si vous visitez, je pense justement, c'est le 99e étage ou un truc comme ça. Celui-là est accessible à tous, il faut quand même payer, etc. L'étage où nous on est allé, qui est le plus haut, c'est l'étage corporate, pour des événements, des mariages, des trucs de fou. Donc c'est vrai que c'est pas accessible à tous, probablement parce que ça coûte une fortune. Je veux dire, c'est au-dessus de $150 par heure. Qui peut avoir accès à ça, pourquoi, etc. Donc, c'est sûr que moi, j'ai été intéressé dès le départ, pas seulement à imiter une intériorité que j'avais, d'une sorte de perte de langage à cette époque-là, etc., mais aussi parce que pour moi, c'était une métaphore assez puissante sur les inégalités, les regarder, les questions de surveillance, etc. Puis quand on égate cette possibilité-là aux gens des sommets, ben est-ce qu'on leur empêche vraiment en fait, de finalement de négater ou de diminuer leur force en pouvoir, etc. Là, je parle de ça là, mais c'était définitivement, ça faisait écho quelque part dans ma conscience là, par rapport à ce projet-là. Puis tu demandais pour le email, c'est ça? Pour en relation, c'est ça? Ben, je pense définitivement dans une position de privilège parce que quand tu étudies au Art Institute, toute la ville connaît cette institution-là. Puis nécessairement, si tu passes, si tu as même le désir de filmer, d'avoir accès à ça, un peu hors corporate world, tu sais, ça aide définitivement d'avoir une présence au Art Institute et des gens qui peuvent t'aider à disons, comme Maggie disait, de créer un autre masque, tu sais, d'avoir une espèce de plus-value pour avoir davantage accès, définitivement. Tu sais. Plus aisément accès.
voulais aussi te demander une question par rapport aux archives personnelles, à ta pratique de t'auto-documenter ou auto-documenter ton travail, puis comme souvent un point de départ pour tes œuvres. Puis, mais je sais que c'est fait de manière, ça me semble être fait de manière très rigoureuse. Donc, tu conserves, tu prends beaucoup de notes, tu conserves tes notes, tu as même peut-être beaucoup de boîtes d'archives. Puis, j'avais envie d'entendre parler un peu comment tu abordes cet enjeu-là d'archives personnelles. Tu as mentionné que tu développes tes projets par ricochet, à rebours. Je trouve ça intéressant que Sightings et le point de départ est un projet antérieur non réalisé, 2014, mais ce qui est montré dans le télésouffleur, c'est un script pour un projet à venir. Puis, évidemment, il y a un écho aussi avec le projet, la vidéo présentée au MAC, qui reprend une forme qui existait déjà, mais... Même dans la présentation ce soir, là, tu fouilles dans tes archives, puis tu nous les montres tout en même temps. Donc, comment est-ce que tu incorpores cette pratique-là, d'auto-documentation et d'archives personnelles, plus largement dans ta pratique? Non, mais c'est magnifique. Moi, c'est comme ça que je travaille. Donc, c'est ma méthodologie de travail de tous les jours. Prendre des notes, garder, me rappeler, peut-être pour juste pas oublier ou juste pour parce que justement peut-être qu'un projet comme ça m'a appris. C'est pas le seul. Hein, ben, j'ai pas parlé de d'autres projets inachevés qui ont que des fragments de films. Mais justement, je pense que c'est parce que je comprends à rebours une lenteur extrême pour comprendre peut-être des événements, des situations, des images, des textes. Puis j'ai besoin de ces fragments-là que je récolte, que je crée, etc., pour faire sens des années plus tard, ou des mois plus tard, ou des heures plus tard, whatever. Mais c'est ça, je pense que je fonctionne à rebours, puis cette méthodologie de travail-là que je me suis créée est juste une stratégie de fonctionnement pour m'aider à survivre au final. Mais j'aime bien ce que tu as dit par rapport à... Parce que le projet Sighting, c'est pas une fin nette par rapport au film à Willis Tower. Je pense juste que les deux s'imbriquent. Et s'imbriquer ce distance-là. Mais j'aime que tu dises que c'est aussi surtout peut-être le début de quelque chose d'autre. Donc, dans l'espèce de seuil entre quelque chose qui se termine et quelque chose qui se débute. Puis ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Yeah. On travaille souvent la disparition, puis la fuite. Le point de fuite, mais que tu conserves tout comme méthodologie, ce contraste-là, comme moi, je trouve que c'est intéressant. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait poser une question? Dernier commentaire? N'hésitez pas. We're friendly. Juste continuer sur ce que je disais juste avant, parce que le scénario qui est dans le cube sighting, dans le prompter, c'est un peu une tentative de commencer quelque chose par le bon début, si vous voulez. C'est-à-dire que, tandis qu'au sommet de la Willis Tower, je me suis rendu là pour faire un film sans outils, là, sans moyens techniques, sans scénario, etc. Là, j'ai un peu l'impression de au moins, avec le scénario, de commencer quelque chose avec, un bon début. C'est-à-dire le scénario, ou l'ébauche d'un scénario.
comme un espèce de renversement de la méthode, là, qui m'a pris 8 ans à comprendre. Mais moi, c'est drôle, je vois vraiment comme la, tout le rapport à l'autodocumentation d'une manière un peu différente. Je le vois comme une distance nécessaire pour pouvoir s'observer, mais qui permet une réinterprétation de qu'est-ce qui s'est passé, donc un contrôle du regard sur qu'est-ce qui s'est passé, qui est aussi incarné dans le désir d'aller très haut, voir tout, mais tu te rends compte que quand tu es très loin, il faut que your eye has to make up for the parts that you cannot see, just like your memory has to make up for what you have not written. Et que, puis, tu sais, je sais, c'est ça aussi, là, la disparition, la fuite, là, fait que je sais aussi que qu'est-ce que tu n'écris pas, c'est très relevant. C'est quelque chose à dire? Mais non, c'est juste comme, c'est, pour moi, cette distanciation-là, c'est une prise de contrôle sur le réel. Puis une manière de, comme, après ça, le remettre en scène, tu sais. Yes. Je pense qu'on pourrait conclure. Est-ce que dernière chance? Merci beaucoup, Simon. Merci à tout le monde d'être venu. Puis, n'hésitez pas à aller voir le CUP de l'autre côté jusqu'au 15 janvier. Ça continue de tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Le pavillon Hall est ouvert aussi 7 jours sur 7, de 7 heures le matin à 11 heures le soir. Mais vous pouvez le voir de la rue Maisonneuve aussi. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Bye bye.